En l'an 2000, les Nations Unies avaient défini les défis du millénaire. En 2015, ils ont renouvelé ces défis. Aujourd'hui, ça s'appelle les objectifs du développement durable. Et il y a 17 grands défis qui ont été définis. Et ces 17 grands défis incluent tous ceux qu'on connaît tous sur le climat, sur la biodiversité, sur la pauvreté, sur les problèmes de genre, sur les problèmes de développement économique ou de vivre ensemble. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais comment est-ce qu'on explique ces défis aux plus jeunes, que ces grands défis globaux ont tous une résonance dans leur environnement local et personnel. Et on peut les inviter dans des programmes comme Bâtisseur de Possible à travailler sur ces défis et à comprendre qu'ils peuvent contribuer à identifier les problèmes, penser des solutions, essayer de les mettre en pratique et les raconter. Et donc ces quatre étapes leur permettent d'être eux-mêmes des acteurs, et donc plutôt que d'être quelque part la victime des grands problèmes de l'humanité, ils peuvent être des acteurs qui cherchent des solutions, et même s'ils contribuent à une petite goutte, ils sont un peu comme le colibri de la fable indienne, où le colibri va vers l'incendie de forêt pendant que tous les autres animaux s'enfuient, et le colibri amène sa petite goutte sur l'incendie, et les autres animaux lui disent « Mais est-ce que tu penses qu'à toi tout seul tu vas éteindre l'incendie ?» Et le colibri répond « Peut-être pas, mais au moins j'aurais fait ma part du travail. »